Ce soir-là, Pep Guardiola ne savait plus où donner de la tête. Sa partition n'était pas parfaite. Avec même quelques fausses notes. Tout avait pourtant bien commencé à l'Etihad. 2-0 en 11 minutes, la messe semblait déjà dite. Mais c'est mal connaître les Madrilènes. Karim Benzema sonne la révolte puis inscrit une merveille de Panenka. 4-3, tout se jouera à Madrid une semaine plus tard. Les supporters en sont conscients. Le match se jouera aussi dans les tribunes. Les Madrilènes commencent fort. Benzema ne trouve pas le cadre sur un centre de Carvajal. Déjà lui. Le temps passe. Carlo et David Ancelotti s'interrogent. Il faut changer quelque chose. Ce quelque chose s'appelle Rodrigo. Déjà héros du quart de finale retour face à Chelsea, le Brésilien est souvent utilisé en sortie de banc, en super sub comme disent les Anglais. Une fois de plus, il doit jouer les héros. C'est finalement l'autre ailier droit qui va endosser le costume de héros. Riyad Mahrez ouvre le score. Les Citizens semblent avoir fait le plus dur. Ils ont 2 buts d'avance à quelques minutes de la fin. Jack Grealish est tout près d'inscrire le but du break. Se heurtant d'abord à un sauvetage de Ferland Mendy, puis au bout du pied de Thibaut Courtois, véritable héros depuis le début de la saison européenne. À l'image de leur gardien, les Madrilènes ne lâchent rien. Rodrigo égalise sur une remise de Benzema. Le Bernabéu se rallume et y croit. Toujours. Une minute plus tard, sur un centre de Carvajal, Rodrigo inscrit un doublé dans le temps additionnel. Le Real Madrid est remonté de l'enfer, encore une fois. Le ciel est tombé sur la tête des Citizens. Les Madrilènes sont aux anges. À ce moment-là, rien ne semble plus pouvoir leur arriver. Pep est dépité. Sonné, désabusé. Il va même boire le calice jusqu'à la lie. Benzema transforme un pénalty synonyme de qualification. Ça y est, les Madrilènes y sont. Ils peuvent exulter, ils viennent de réaliser un exploit monumental. Carlo le Maestro a battu le génie fou catalan. En ce jour où il commémorait la disparition de la maman de Davide, la carapace d'Ancelotti se fend. Un court moment. Ils l'ont aussi fait pour elle.